Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un secret de pige, un excellent secret de pige aujourd'hui parce que j'ai l'honneur de recevoir Louis Froli. J'avais reçu déjà son frère il y a quelques temps, Justin, que vous connaissez sûrement. Et là, aujourd'hui, c'est Louis qu'on reçoit. Louis qui est, j'irais, un chef, un expert en marketing qui, bien évidemment, aide les conseillers immobiliers à performer. Et ben, aujourd'hui, on va parler de plans de commercialisation, mais pas que, parce qu'il va aussi nous donner son actualité. Louis, il est cofondateur de Finder, une web app qui facilite l'interaction entre les gens qui veulent vendre et les pros de l'immobilier. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je pense que Louis va nous expliquer tout ça en long, en large et en détail. Je vous retrouve tout de suite après le générique avec Louis Froli. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello! Salut Alex, franchement l'intro bravo. Tu Ah, m'as super merci, bien merci. introduit. Merci. J'attends l'interview qu'on a fait ensemble il y a 10 jours, qui va Ouais. bientôt arriver, je pense. Ouais, elle va arriver là. Il y a Manon qui est en train de faire le montage. Parce que Mais ton intro est top aussi. elle est pas mal, elle est pas mal, hein. Mais là, ça change. Franchement, merci beaucoup de m'avoir introduit. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre. On a un peu la même voix avec Justin pour ceux qui le connaissent. Donc, vous inquiétez pas. Du coup, c'est assez familier pour vous. Mais du coup, merci beaucoup et merci d'être là, quoi. Merci, merci, merci à tous d'être là. Merci de regarder en replay si jamais effectivement vous regardez en replay. On a aujourd'hui un horaire particulier parce que effectivement Louis est très très chargé en planning et le mercredi après-midi, je crois qu'il donne des cours. C'est ça, hein, tu donnes des cours le mercredi après-midi? Ouais, ça dépend surtout ça dépend le mardi ou mercredi. Du coup, je donne des Ok. cours en licence Bac plus 3, donc c'est cool. Ok, je t'ai introduit en fait en disant que tu étais un expert en marketing et je crois que bah, je ne me suis pas trop trompé en fait, un petit peu, non, pas du tout. Au contraire, je pense que j'ai même minimisé en fait le Louis Froli, expert en marketing, parce que c'est vrai que tu fais des merveilles depuis que tu es chez, depuis que tu bosses en compagnie de ton frère, donc à Perpignan, au market. Et c'est vrai que. Moi, ça fait pas mal de temps que je te suis, ça fait pas mal de temps qu'on se suit. Et on a pas mal discuté la dernière fois ensemble. Tu es une personne qui aime l'innovation et qui aime aider les conseillers immobiliers. Tout type de conseiller, hein, on va pas mettre de marque sous Louis Froli aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et après une belle discussion qu'on a eue ensemble, c'est vrai que. Bah, tu me dis, ouais, moi je suis là pour aider en fait tous les conseillers immobiliers de n'importe quelle, finalement, de n'importe quelle bannière. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent avoir les outils pour bien bosser. C'est Ouais, ça? carrément. Mais tu as clairement résumé la chose. En fait, pour la petite histoire, Justin, qui est dans l'immobilier depuis plusieurs années maintenant, avec India, ça fait depuis des années qu'il me tanne à me dire, ouais, Louis, vraiment, faut que tu fasses quelque chose dans le digital, en immobilier, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis moi, j'étais dans ma propre tambouille, tu vois, depuis l'âge de 17 ans, j'entreprends. J'ai fait plusieurs sociétés qui ont marché, il y en a qui ont pas marché, faut se l'avouer. Et ça fait depuis un peu plus de 3 ans que je suis revenu dans le sud, donc j'étais sur Paris, je suis revenu dans le sud et vraiment l'aspect c'était de développer des solutions digitales pour les pros limo et dans l'immobilier en général. Donc il y a des solutions qui ont été développées sur mesure pour certaines marques et il y a des solutions qui sont développées pour tous les professionnels de l'immobilier. C'est ça, exactement. Donc, on va parler un petit peu de Finder, mais on va le réserver pour la fin si ça te va bien, parce que ce n'est pas le but du secret de pige aujourd'hui. Mais effectivement, on va le réserver parce que c'est une belle surprise que tu es en train de créer là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Louis, en fait, expert marketing. C'est le Louis qui, justement, qui a, comme dit Marjorie,
une idée à la seconde et qui permet justement à tous ces conseils immobiliers de pouvoir progresser en termes de marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing, c'est la base du travail, on va dire, du conseiller, même si la base du travail, ça reste le contact commercial. Hein, on en a parlé tout à l'heure en off. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, le travail du conseiller immobilier, c'est uniquement du marketing et du digital. Parce que le marketing et le digital, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais par contre, plus ça va, plus le conseiller a besoin de changer de casquette toutes les heures en se disant bah, « Là, tiens, je vais être spécialiste du digital. Là, je vais être blogueur fou. Là, je vais être machin. Là, je vais être truc. Là, je vais faire de la pub Facebook, etc. » Et donc, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement quelle est la stratégie réellement que toi, tu pourrais donner à tous ces conseillers immobiliers en disant bah, « Ne vous perdez pas dans tout ça. Ayez une stratégie, en fait, une unique stratégie de manière à pouvoir avancer correctement. » Bah, tu vois, c'est intéressant dans ce que tu viens de dire au début, avec marketing digital. En fait, on a tendance à faire un peu l'amalgame et à se nicher dans marketing digital. Mais déjà, il faut voir le spectre marketing et communication. Et en fait, ce que vous faites, c'est générer des contacts, mais aussi marketer quelque chose. Je vois souvent les agents, et tu vas le remarquer, ça va te faire rire, tu vois, ils se focusent à rentrer des mandats. C'est très bien, c'est celui qui domine le stock domine le marché, donc sans mandat, il n'y a pas d'immo, etc. Donc c'est complètement normal de rentrer des mandats de vente, mais ils prennent ça pour une victoire. Mais normalement, ça devrait être la norme. Bien sûr. Mandats de vente, ça devait être la norme. Tu vois, je te prends l'exemple d'une épicerie. Si tu rentres dans une épicerie et il n'y a même pas de produit dans l'épicerie, qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Si tu rentres dans une épicerie qui a des produits, c'est normal, mais toi, tu vas le trouver ça normal. Faudrait que ça devienne la norme. C'est un peu la discussion qu'on a au bureau avec tous les techs et tout. C'est qu'on est là, souvent, ils crient victoire parce qu'on vient de rentrer un mandat. Mais c'est normal, c'est ton job. Par contre, il y a un truc qu'ils oublient vachement, et c'est là où, tu vois, c'est un peu le sujet du jour. C'est que, OK, j'ai rentré le mandat, déjà, ça devrait être la norme. Maintenant, c'est comment tu vas marketer ton bien. Parce que là, tu ne vends pas une brouette, hein. Tu vends un bien à des dizaines, voire des centaines, voire des millions d'euros. On est d'accord. Mais il faut que tu aies une communication adéquate. Quand tu vois les mecs, je te prends, je ne sais pas moi, ce gobelet où ils font des pubs à la télé, des trucs comme ça et tout, mais ce n'est pas en appuyant sur un bouton, en attendant sur les portails immobiliers et croisant les doigts que ça va tomber. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Et moi, ça me rend ouf de voir des gens qui ne mettent pas de vrais plans d'action, tu vois. Oui, market le bien, parce que la communication d'un bien, c'est là où vraiment tu vas te dépasser et tu vas te différencier, quoi. Mais tu sais, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, et en fait, en 20 ans, j'ai vu différentes phases. J'ai eu des phases plus faciles, plus fastes, et j'ai eu des phases plus difficiles. Même les périodes qui étaient soi-disant plus faciles étaient compliquées, parce qu'on a affaire à de l'humain, et que quand on a affaire à de l'humain, bah, c'est pas parce qu'on est c'est soi-disant une période plus facile que forcément on va faire non plus des chiffres énormes. Mais des fois, en fait, il suffisait de mettre une annonce pour pouvoir faire une vente. C'est-à-dire que l'idée, comme tu dis, c'est effectivement la plupart des conseillers immobiliers aujourd'hui pensent qu'il faut appuyer sur un bouton, envoyer tout ça sur les passerelles, se loger, le bon coin et compagnie, et ensuite attendre que le téléphone sonne pour faire les visites. D'ailleurs, on dit souvent que le plus difficile, c'est d'avoir le mandat. Une fois qu'on a le mandat, la vente, finalement, c'est finger in the nose. Mais, ça, c'est une certaine partie et à une certaine période de l'histoire de l'immobilier. Ça peut encore fonctionner comme ça dans certaines régions, mais là, en ce moment, en fait, on a l'impression en fait, que les acquéreurs se raréfient de plus en plus. Et c'est justement dans ces périodes-là qu'on se remet en question et qu'on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne propose pas de bien de manière à pouvoir avancer correctement et de pouvoir faire la différence ?» Mais tu vois le truc, regarde. Si je te prends un exemple, la base de recommandation. Ce n'est pas parce que tu as rentré un mandat que le vendeur, il va te recommander. Tu n'as pas fait tes preuves. Hein. Là où le vendeur, il va te recommander, c'est ton expérience et
toute l'expérience utilisateur durant la commercialisation du mandat, Bien comment sûr. il a pris contact avec la personne et tout. C'est comme ça qu'il va te recommander le vendeur. Mais Bien sûr. si vous êtes là juste, et tu vois, beaucoup de professionnels pensent que le gain de confiance, il s'est fait dès la prise de mandat. Pas du tout. Ça, c'est le début. Maintenant, il faut que tu fasses tes preuves et sur le terrain. Parce que le but du vendeur, hein, c'est pas d'avoir le prix, le mandat. Hein. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, il veut vendre. Hein. C'est tout. C'est Dans un ça. délai qui est très réduit. C'est tout. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Alors du coup, comment toi, tu préconises finalement le marketing ou en tout cas le plan de commercialisation, si on parle de plan de commercialisation, quel serait pour toi finalement un plan de commercialisation idéal pour que le conseiller puisse se dire aujourd'hui, je pars et je vais vraiment proposer une expérience particulière, une expérience qui va marquer finalement le vendeur tout au long du processus de vente. Ben, tu vois, déjà, faudrait partir du principe de quels sont les moyens utilisés aujourd'hui. Alors, maintenant, on est là, bon, les portails immobiliers, d'accord, ok. En fait, faut pas se focus sur une chose en particulier, il faut utiliser plusieurs choses. Mais y a pas de, quand tu vends un produit, je sais pas, moi, vous achetez quelque chose, par exemple l'iPhone, ils font pas juste une pub à la télé, ils attendent. Hein. Ils vont faire des événements, hein, ils vont faire plein de choses. Ben, c'est pareil. Le téléphone, c'est comme si c'était le produit, c'était votre maison, votre mandat de vente. Et là, aujourd'hui, tu vois, on est là. Alors, on a les portails immobiliers, on a ici les photos. Et t'en as, ils pensent que juste en prenant des photos, ça va le faire. Non, 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 non. Déjà, c'est le starter pack. Il faudrait que tu aies une application et un superbe téléphone. Tu vas pas me faire des photos pixelisées et pas en HDR, quoi. Non, c'est la base. Et vous voyez, plus ça va, plus le gap, en fait, augmente et les standards, ils augmentent et ils évoluent, hein. Tu me disais dans le live qu'on a organisé, tu vois, à l'époque, tu me disais les photos, on s'était démarqué. Maintenant, c'est la norme. C'est ça. Tu vois? C'est ça. La visite virtuelle. La visite virtuelle, maintenant, ça rentre dans la norme. Alors, peut-être qu'il y en a qui pensent que ça fait gadget, etc. Mais maintenant, les gens sont habitués de voir la visite virtuelle. Donc, quand tu Mais vois une justement, annonce tu sur vois, le. j'étais en train d'y réfléchir ce matin et je me disais, est-ce que finalement, la visite virtuelle, il ne faudrait pas la vendre comme une pré-visite? C'est-à-dire en disant en fait au vendeur que tu vas aller voir, en disant écoutez, chez nous, chaque client acquéreur aura déjà passé un rendez-vous préalable avec nous, dans lequel nous aurons déjà visité virtuellement votre bien, avant même de l'avoir visité. C'est-à-dire qu'en fait, il aura prévalidé les surfaces, les pièces, l'exposition, etc., etc., en visite virtuelle, avant même qu'ils franchissent le pas de votre porte, de manière à ce qu'on puisse gagner du temps et éviter les visites inutiles. Parce qu'en fait, la visite virtuelle, souvent, on l'utilise comme étant finalement Une un moyen vitrine. supplémentaire pour les clients de pouvoir voir le bien. Mais est-ce qu'on prend la visite virtuelle au sérieux? Après, ça dépend de ta méthode de visite. Est-ce que parce que tu peux pas commenter. La personne, elle est livrée à elle-même face au produit. Si, tu peux Ouais, commenter mais justement. tu t'accompagnes pas la personne à être en live à répondre à des questions et tout, à part que s'il faut, il y a de ces Si, justement, fonctionnalités. si, bah tu fais comme un zoom ou un StreamYard avec la personne. Et Bon, après, tu partages ton ça écran. dépend de l'âge de la personne, mais ça peut être intéressant. De toute Ok, bon, façon, si elle a 78 ans, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais si elle a 40, 45, 50 ans, même jusqu'à même 60 ans, les gens, ils sont ouverts à ce genre de technologie aujourd'hui. Mais pourquoi pas, en fait? L'idée, c'est de se dire, ok, on a finalement une techno qu'on peut proposer en tant que conseiller, mais qu'est-ce qui fait que cette techno puisse vraiment apporter de la valeur auprès du vendeur? En lui disant, parce que le vendeur, en fait, c'est ouais, mais bon, vous me parlez de votre visite virtuelle, vous êtes gentil, mais tout le monde propose la visite virtuelle aujourd'hui. Mais qui propose la visite virtuelle en termes de réellement de prévisite, de manière à pouvoir faire gagner du temps au vendeur qui, lui, ne sera pas dérangé, etc., à tous les 4 matins pour des gens finalement qui ne vont faire que des visites et qui vont dire, ah ben non, mais finalement, ça ne me plaît pas. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? Ouais, non, mais carrément. Mais de toute façon, c'est. Enfin, moi, à chaque fois qu'il y a une idée ou des choses comme ça, c'est pour ça qu'on développe pas mal de solutions.
Tant qu'on n'a pas testé sur le marché, je peux pas dire. Tu peux Je peux discuter pas avec des dire. professionnels des choses comme ça, mais tant que le marché n'a pas répondu, tu ne sauras pas si ça marche ou pas. Bien sûr. Et sûrement que ça va marcher avec un segment de clients, mais ça ne marchera pas avec tout le monde. Comme tu as tes propres clients qui te ressemblent, et il y a des clients où ça ne le fait jamais. C'est ça, exactement. Exactement. On est finalement, et c'est l'idée, c'est vraiment c'est de se choisir. Parce que dire non à un client, c'est finalement, c'est se choisir. Et c'est choisir le fait de pouvoir gagner du temps pour faire autre chose. Et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, il faut savoir dire non aussi et travailler qu'avec les gens qui nous ressemblent. Tu vois, là, regarde, on a parlé des portes animaux. Mais ça devient un béaba maintenant. C'est normal, tu vois. C'est un peu le starter pack du conseiller. Tu as la Ouais. photo. Bon, il y a des applications comme Exposio, Nodalview, des choses comme ça qui te retraitent les photos pour que ça soit sympa. Mais maintenant, tous les agents commencent à l'avoir et c'est un starter pack. Bon, maintenant, tu as l'iPhone, il prend des photos extra. Mais tu as plusieurs choses comme ça. Tu as la visite virtuelle, on vient d'en parler. Les textes pub. Textes pub, c'est normal aussi. Il faut arrêter de penser ça. Désolé, mais quand on te dit oui, le texte pub, c'est par rapport au référencement. Désolé, mais en un mois, ton texte pub va pas monter sur Google. Hein. Faut arrêter de croire. C'est pas possible. Donc, un texte pub, faut qu'il soit rédigé de manière à vendre le produit et à parler et à raconter une histoire. Tu vois, déjà, faut partir du principe que le bien, il possède une histoire. Parce que quand on dit, ouais, il y a une maison qui a du vécu, elle a une histoire, etc., ben ça vendra mieux que juste, alors, patelin là, tirer 4 pièces, tirer, etc. Parce que les gens, tout ce que l'être humain adore et est attiré vers les histoires. C'est Oui, le principe de base. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué à demander aux conseillers immobiliers, justement, parce qu'on parle à ce moment-là vraiment de rédiger quelque chose qui vraiment qui parle aux gens. Les conseillers immobiliers ne sont pas forcément formés pour ça. Et donc, est-ce qu'il faut absolument former les gens à ça? Au conseil immobilier à se former par rapport à ça, de manière à pouvoir faire des textes qui parlent vraiment. Parce que bon, à chaque fois, on dit, ouais, il faut faire des textes, mais au final, ça se résume à Saint-Maur-des-Fossés, quartier, machin, appartement dans jolie résidence de machin, quatre pièces, tatati, tatata, un séjour donnant sur balcon. Et en fait, en général, ça se résume à ça. Ben, tu sais, c'est comme la fameuse question, quel réseau social je dois utiliser quand je suis pro de l'IMO? Ben, tu fais en fonction de toi et de ton usage. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise de raconter des histoires, il y a toujours des manières de le faire. Je prends l'exemple parce qu'il y a Quentin qui est juste à côté de moi, là. Il a acheté un bien à elle et il a rencontré une voisine qui lui a raconté l'histoire de cette maison. Ben, il était fan. Il était fan. C'est super intéressant. Et c'est là où ça te fait voyager et tu vois le truc. Ouais, bien Donc, sûr. rien que parler avec les voisins, même la rue, tu vois, la rue, elle possède une histoire. Bien sûr, bien Donc, sûr. ça, c'est outre le texte pub pour casser un peu le mythe de si vous faites un texte pub avec les bons mots-clés, ça va monter en référencement. Oui, ça, c'est Non, des parce que conneries. votre annonce ne va pas durer longtemps, de toute façon. Donc, Ben oui, bien sûr, bien sûr. elle remontera pas spécialement. Par contre, si vous faites un article sur le quartier avec des bons mots-clés, là oui, dans ce cas-là, ça montera plus. En blog, dans ce cas-là, en blog. Ouais, voilà. Ou même un post sur Facebook, LinkedIn, ou etc., quoi. Enfin, l'intérêt vraiment de la commercialisation, c'est de faire plus que ses concurrents et ses confrères. Faut vraiment, ben, c'est un peu montrer que c'est toi l'expert, quoi. Et ça passera. Alors, comme je l'ai dit, un plan d'action qui est détaillé. Et c'est pour ça que tu vois, il y a un peu le contexte là, on voit un peu l'effervescence et l'émulsion au niveau de. Bon, ça dure depuis longtemps, mais que les agents immobiliers s'en mettent plein les fouilles, que la commission n'est jamais justifiée, etc. Mais c'est ce gage-là en fait qui va être avancé et qui va permettre en fait de casser ces mœurs, quoi. Ces codes de ouais, ils en profitent, etc. Il faut le justifier. Et c'est pas en cliquant sur le bouton portail IMO que vous allez justifier ça. On est d'accord. Donc, Et plan de c'est. commercialisation, ça veut dire donc photo pro, ça on est d'accord. Ouais, ça c'est le béaba. C'est le béaba. Visite virtuelle, on est d'accord. C'est le béaba.
même si tout le monde ne le fait pas, mais effectivement, c'est le béaba, parce qu'il y a visite virtuelle et visite virtuelle aussi. Donc ça, il faut savoir le vendre, il faut savoir le montrer, il faut savoir effectivement trouver un sens à ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Comment rédiger une annonce, des articles de blog. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait rajouter dans un plan de commercialisation de manière à dire au gars, bah, écoutez, voilà, moi, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. C'est ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce que toi, en tant que marketeur aujourd'hui, en tant qu'expert en marketing, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire, bah tiens, ça, ça permet en fait aujourd'hui, ça peut permettre de vous différencier par rapport à la concurrence. Moi, je rêverais qu'un vendeur, que je suis vendeur, qu'un agent vienne me voir et qu'il me dise, voilà, on va préparer un plan d'action. C'est pas compliqué, nous avons une base de données de temps d'acquéreur. Je vais envoyer un mail. Alors, OK, mais je vais aussi envoyer un texto avec les photos du bien, donc un MMS. Pourquoi? Parce que ça fait tant de taux d'ouverture. Donc, il faut savoir qu'un texto et un MMS, ça fait 97% d'ouverture, comparé à un mail où ça fait, si très bien rédigé, etc., 30% à tout péter. Donc, ça veut dire que si vous avez une base de données de 100 personnes, de 100 acquéreurs sur cette zone, il y en a à peu près 30, tout au moins, qui vont ouvrir votre mail. Alors que le texto, il y a tout le monde qui va le voir. Donc déjà, arriver à dire à un vendeur, oui, alors déjà, je vais envoyer un texto, etc., expliquer le comprendre du pourquoi, déjà, le mec, il va se dire, oh, là, il est calé. En plus de ça, je vais vous envoyer un reporting avec le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de retour. Il faut être transparent avec la personne. Donc déjà, première action, si tu arrives, que tu t'envoies ça, parce que moi, je suis… Il n'y a pas beaucoup de… Alors, sûrement que les agents et les professionnels vont nous écouter, ils vont se dire, oui, c'est normal d'envoyer ça. Non, il n'y en a pas beaucoup qui le font. De rentrer un mandat et d'envoyer à une base de données, déjà, il faut avoir une base de données. Déjà, à la base. De données bien informées. Ouais. Parce qu'il y a base de données, base de données. C'est ça. Parce que là, maintenant, c'est, tu sais, ils sont là, c'est Facebook Marketplace, c'est incroyable. Bon, faut aller un peu plus loin que ça maintenant. On doit marketer le projet. Donc, par exemple, si je vous donne un site pour envoyer des textos et des MMS, vous avez par exemple LeadsMet. Donc, c'est LEADS et MET. Donc, c'est un logiciel qui permet d'envoyer des textos et des MMS. LeadsMet. Ouais, LeadsMet. D'accord. Ça va vous permettre en fait d'avoir un rapport en plus. Donc, vous pouvez envoyer des textos à une base de données. C'est comme un peu Mailchimp ou un logiciel pour envoyer des mails, mais version texto et MMS. Ok, d'accord. Et ça se connecte directement à n'importe quel CRM ou il faut que tu rentres tes téléphones portables à la main? Bah, tu peux importer un fichier. Ok. Donc, tu sors le fichier et à ce moment-là, t'envoies tes SMS automatiquement. C'est ça. C'est un peu comme Mailchimp ou peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais Weber, ActiveCampaign, tout ça. C'est la même chose, mais version texto et MMS. Ouais. Voilà. Ok. Donc, c'est un espèce d'auto-répondeur, mais SMS, quoi. Ouais, voilà. Ça te permet d'envoyer des textos et des MMS. Ok. Donc, ça, l'idée, c'est de dire, voilà, moi, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. C'est qu'à la base, je vais vous envoyer, bien évidemment, à ma base de données de 32 personnes aujourd'hui qui recherchent un appartement comme le vôtre. Je vais en plus envoyer un SMS parce que effectivement, le SMS est regardé à 97%, alors que en général, les messages envoyés par mail sont reçus, on va dire, à 30% ou peut-être plus, juste à 10%. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, je me différencie par rapport aux autres en se disant, ben, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais envoyer des SMS ou je vais envoyer des WhatsApp. Ça peut aussi fonctionner par WhatsApp, je suppose. Et ça, c'est une grosse différence. Qu'est-ce qui, aujourd'hui… Mais grave. Ouais. Et si tu vois en plus en profondeur, c'est qu'il ne faut pas l'envoyer qu'une fois. Il faut l'envoyer plusieurs fois. Faire une genre de séquence. Premier jour, j'envoie nouveau bien dans le quartier, etc. Découvrez-le. Deuxième jour, enfin plusieurs jours après, envoyez qu'est-ce que vous avez pensé du bien. Est-ce que vous voulez un rendez-vous pour visiter ce bien, tu vois? Comme ça, tu lui prépares une vraie séquence. Il ne faut pas juste envoyer un truc. C'est comme si tu envoyais un appât dans l'eau et t'attendais et tu retirais. Enfin bon, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que l'idée, par exemple, de créer des petites vidéos de présentation, mais tu sais, souvent, en fait, on va créer une vidéo puis on va la mettre sur Facebook, on va la mettre sur YouTube et on va envoyer le lien. Est-ce que les faits de teaser, d'envoyer des vidéos de présentation sur
le quartier, sur, comme tu dis, sur la rue, sur le bien, etc. Ça peut être aussi intéressant en termes de marketing pour pouvoir finalement teaser un peu le bien et se dire, bah, tiens, ce bien-là, il peut être vraiment intéressant pour vous. Est-ce que, voilà, parce que du coup, si tu envoies des SMS, autant envoyer peut-être des fichiers vidéo derrière. Ouais, mais on parle toujours de... Alors, faut pas différencier. Je suis un peu... ça me fait un peu rigoler les profils Instagram, tu vois, de full conseiller IMO qui mettent que des maisons en photo. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de babonner, de les suivre, tu vois. Donc, il faut vraiment s'engager, avoir une conversation avec la bonne communauté et le bon segment. Ouais. Le fait d'envoyer une séquence avec un lien vidéo pour visiter le bien, c'est super pertinent si tu t'adresses toujours à ta base de données, acquéreurs, etc. Bien sûr. Et que t'as bien, bien tu sûr. Vois, les personnes qui recherchent peut-être. Ouais, carrément. Parce qu'après, moi, c'est, je suis là. Pourquoi j'ai ça, tu vois? Ouais. C'est, si tu bien le sûr. Reçois alors que tu n'es pas du tout dans cet attrait, ça ne va pas t'intéresser. Ça sert à rien. Au contraire, c'est. Ouais, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est un peu ouais, ça ouais. Le truc. Non, non, là, je parle vraiment de personnes. Par exemple, les 32 personnes qui sont aujourd'hui qui recherchent un bien de ce type-là. Que moi j'ai en base de données, est-ce que ça peut être intéressant justement de proposer aux vendeurs ce type de commercialisation? Est-ce que toi tu as un retour par rapport à ça? Est-ce que au sein de votre market, parce que je suppose que le market ça reste quand même, on va dire, peut-être pour toi un endroit où tu peux faire des expériences et puis tester des solutions? Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de solution? Est-ce que les conseillers immobiliers sont prêts à faire ça? Parce que c'est aussi ça, hein, on peut toujours inventer plein de choses, mais après, est-ce que les conseillers immobiliers, eux, sont attirés par ce genre de techno? Et est-ce que derrière, ça peut intéresser les vendeurs? D'où l'intérêt de faire un plan d'action, comme ça, au moins, tu as une trame et tu sais quoi faire au bon moment. Il y a certains agents qui l'ont fait, oui. Mais pour être honnête, pas autant approfondi que ce que je dis là. Parce qu'en soi, je suis plutôt dans mon bureau et je pense que les agents en market, s'ils nous voient et qu'ils nous verront, ils sont au courant que je suis derrière mon ordi et je suis pas. On est plutôt à développer des solutions. Quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça que. Ouais, c'est pour ça que pendant 2 ans, j'étais vraiment terré un peu dans cette grotte en train de développer des solutions. Et c'est pour ça qu'on va commencer petit à petit. Et puis là, on va ouvrir une chaîne YouTube, tout ça. Donc, c'est pour ça que tu avais fait le live précédemment. Et on va vraiment apporter de la valeur parce qu'on voit qu'il y a des choses à faire. Et puis, nous, on a la technologie maintenant. Donc, autant apporter de la valeur au max sur des vidéos parce qu'on a la technologie qui va vous permettre de développer votre activité. Et tu vois, le chemin approfondi, et je rebondis, tu vois, la visite virtuelle, ça peut être pertinent. Première séquence, tu envoies le texto à ta base de données, tu leur dis, ben voilà, nouvelle maison dans le quartier, je sais pas, tu peux mettre le lien de l'annonce sur ton site internet. Deuxième truc, envoyer le lien de ta visite virtuelle, tu vois. Et troisième chose, renvoyer un texto, et ça, c'est par exemple sur 2 semaines. Et troisième fois, il reçoit un texto pour prendre rendez-vous pour une visite. Mais tu vois, tu as fait 3 touches et 3 touches. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que le truc, c'est que si tu envoies un texto, la personne pense à une personne qui est à la maison. Donc, elle reçoit le texto. Elle va en parler à son conjoint, sa conjointe. Et puis, je sais pas, de fait, j'en sais rien. Moi, ils ont un restaurant, etc. Ils vont plus y penser. Hop, 2 jours après, ils vont recevoir le texto. Ah oui, tu te rappelles. Oh punaise, il y a une visite virtuelle. Tu vois, ils commencent à en parler, etc. C'est un peu comme générer des contacts. Tu vois, moi, quand tu génères des contacts pour des personnes, souvent ils pensent que, admettons, demain tu me dis, bah, essaye de me générer des prospects vendeurs. Je génère des prospects vendeurs, je t'envoie ce fichier. Tu as le numéro de téléphone, etc. Dans ce mail. Tu essayes de les contacter, ils te disent non. Bon. Et là, tu reviens me voir, tu me dis, ouais, mais Louis, franchement, les prospects pas qualifiés, etc. Ça marche pas trop. Mais c'est pas. Fallait pas penser à avoir un rendez-vous et une prise de mandat direct. Tu as plusieurs phases. C'est comme si ce soir dans la rue, tu croises quelqu'un et tu lui dis, ce soir, c'est dans mon lit. Ça marche pas comme ça. Tu as plusieurs phases. Ça. Exactement. Et ben c'est exactement pareil pour tout. Que ça soit de la génération de contact, que ça soit de connecter, de cultiver, de closer les personnes. Mais il y a plusieurs étapes. Il faut les respecter. OK. Donc ça, c'est une bonne stratégie, effectivement. SMS.
en voie de visite virtuelle, si jamais vous faites des visites virtuelles, ou en voie de vidéo, si vous préférez une vidéo, et ensuite proposer un rendez-vous pour closer le rendez-vous avec les personnes. Donc ça, effectivement, ça peut être... Il y a une stat, je pense que tout le monde achète maintenant sur Internet, en e-commerce, donc les boutiques en ligne. Il y a une stat, il faut que la personne, elle voit 7 fois le produit pour qu'elle ait l'incitation à l'achat. 7 fois. On dit tout bien qu'en immobilier, c'est pas mal à faire quand même. Ouais, c'est ce qu'on dit. Souvent, il faut entre 5 et 7 touches pour, et je crois que ça vient aussi de KW, ça, pour justement pour essayer d'amener une certaine confiance, un intérêt à quelque chose, à un produit, et notamment à un conseiller immobilier ou à un bien immobilier à voir. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. OK. Donc, ça c'est une bonne solution, le plan de commercialisation par SMS. Est-ce que tu as d'autres choses surtout, que tu vois? Oui, clairement. Surtout, dis-moi. Ce qui serait apprécié par le vendeur, c'est la transparence avec des stats. Parce que tu as des gens, je pense, qui kiffent avoir des stats. Et surtout, un retour. Et ça va mettre… Tu gagner la confiance. Objectif, commercialisation. OK, vendre le bien, mais aussi gagner la confiance de la personne. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle va vous recommander. C'est à ce moment-là qu'elle va parler autour de tout le monde, de ses amis, de son entourage, et bien dire, punaise, j'ai une personne, elle me commercialise, et en plus, elle m'envoie des stats tout le temps, des rapports, des trucs comme ça. Il y a un truc hyper… basique, et puis souvent t'en as qui sont là, ouais non quand même, pourquoi pas faire venir un freelance en photographe professionnel? Bon, maintenant on a des outils, donc désolé photographe professionnel, mais un pilote de drone s'il y a la surface qui s'y prête, un vidéomaker qui peut vous faire une vidéo vraiment bien construite avec des plans, des jolis plans, pas des trucs où vous êtes en story, vous faites comme ça sans stabilisateur, etc. Donc prendre un photographe, un vidéomaker, donc un professionnel de la vidéo, qui va vous faire un montage photo, un pilote de drone, mais vraiment que vous ayez une photo, une vidéo vraiment quali. Ça, pareil, tu peux l'envoyer à l'acquéreur, mais le mec, tu vends le produit. Là, tu es en train de marketer ton produit. Mais ça, c'est hyper important. Alors, OK, si c'est un appart de 40 000 euros, bon, désolé, on a Perpignan, donc il y a des biens qui s'y prêtent à ce prix, mais c'est sûr que là, bon, il fait 9 mètres carrés, vous n'allez pas aller bien loin. Mais si c'est un bien qui est dans la pampa, j'allais dire dans la campagne, avec, je sais pas moi, 2000 mètres carrés de terrain, piscine, maison de 200 mètres carrés, etc., dans un mas, etc., là, ça s'y prête. Bon, mettez les moyens, et puis en plus, ça se justifie. Oui, parce que la commission est plus importante. Après, l'idée, c'est de savoir, est-ce que, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est pour l'ego du conseiller immobilier de faire ce genre de vidéo, ou si ça flatte l'ego du conseiller immobilier, ou si c'est vraiment pour le propriétaire? Parce que souvent, lorsqu'on est face à un propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est des clients. Je t'avais dit, j'avais une agence immobilière avant qui s'appelait Visite en Vue, où j'ai été le premier à importer l'appareil photo Exposio, c'était en 2010 en France. J'ai été le chercher directement au Canada. Et cet appareil-là, en fait, je faisais des photos qui étaient juste exceptionnelles par rapport à ce que les gens faisaient à l'époque avec leur smartphone, qui était vraiment, on en était à l'iPhone 2 ou à l'iPhone 3, tu vois. Et l'idée, c'est, OK, c'est bien, vous faites des belles photos, etc., c'est génial. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas des belles photos. Moi, ce que je veux, c'est des clients. Et souvent, en fait, j'avais cette remarque-là. C'est très bien ce que vous faites. OK, c'est super. Vous avez un super appareil photo. Vous faites des super photos. Mais moi, j'ai votre collègue. Lui, il m'apporte des clients. Vous m'apportez des photos. Tu vois? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement, le fait de faire de la surenchère comme ça à chaque fois sur… finalement, moi, je vais vous faire des vidéos drone. Je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que c'est… pour flatter finalement l'ego du conseiller et dire, ben moi, je suis capable de faire ça, regardez mes belles vidéos, ou plutôt réellement que ça va intéresser les vendeurs. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, est-ce que vous avez testé ça au market? Est-ce que vous avez des gens qui ont fait ça pour vous, qui ont fait ça pour leurs vendeurs? Et est-ce que ça a vraiment fonctionné Attention, il ne faut pas faire… la comparaison entre prestations et moyens. Là, il y a des agents qui vont s'entendre dire, OK, ben, faut que je fasse ça.
Et puis, ils vont vendre la prestation. Mais tu ne vends pas la prestation. Ah L'objectif, non. c'est de vendre rapidement. Oui, bien sûr. Du coup, si on te met comme ça, tu dis attention, moi, c'est des moyens que je vais mettre en place pour vous générer des clients et surtout vendre au meilleur prix ce que vous en souhaitez. Tu vois le truc? Faut pas vendre la prestation. Jamais de l'heure. Non, non. Moi, je t'explique un plan d'action, les moyens qui Oui, sont bien mis sûr. en œuvre pour Oui. arriver à l'objectif final. Tu vois? Et attention, du coup, faut pas tomber dans ce que tu viens de dire, la vente de ta prestation. Et c'est ça. Et en fait, souvent, et moi je t'en parle, hein, parce que c'est vrai que c'est par expérience aussi, hein. Je suis conseiller immobilier, donc je sais ce que c'est. J'ai testé. Tout à l'heure, Marjorie a dit que tu avais une idée à la seconde. Je dois être à peu près à l'identique de toi. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, tu testes beaucoup de choses. Tu as envie de tester plein de choses. Mais après, derrière, souvent, ça va être monter en gamme en prestations, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que rien ne te suffit, tu vois. Tu fais une visite virtuelle classique avec, je sais pas, avec un appareil en visite ou je sais pas quoi, tu vas dire non, maintenant je vais aller chez Matterport parce que c'est une visite supplémentaire, c'est une visite haut de gamme qui est encore mieux, etc., etc. Et puis demain, il y en a un autre qui arrive, boum, tu vas enclencher encore plus de prestations, de hautes prestations en qualité. Après, derrière, tu te fournis finalement, tu es tellement fier de toi parce que tu proposes des choses tellement bien qu'à la fin, ça devient finalement de la vente de prestations. Ouais, mais parce que tu te reposes sur les attentes de ta prestation. C'est ça. Alors que là, il faut un cumul de moyens. Et ça passera par ce plan d'action. Tu vois? Ok, Si c'est tu fais un intéressant. état des lieux de marquer point par point, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, tu n'as pas une attente spécifique d'une prestation. Tu dis, je mets tout ce plan d'action et au cumul, bien sûr, ça amènera du résultat. Au cumul, ça amènera du résultat. Ouais. Tu vois, bon, le freelance, etc. Et regarde, c'était pas mal la question de l'ego et tout. Mais regarde, si je te prends l'exemple de Gabriel Laflamme, je pense que Ouais. tu connais. Tu vas pas me dire qu'il se fait pas recommander au max au Québec grâce à ses super vidéos. Alors, Et. je l'ai interviewé, Gabriel Laflamme, dans Secret de Pige. Je sais pas si tu avais vu, mais je l'ai interviewé. Il est Ouais. vraiment top, hein, ce gars. Et effectivement, il a une stratégie qui est. En fait, lui, c'est dans la durée, c'est toujours pareil, en fait. C'est Bien souvent, sûr. les conseillers, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une vidéo, puis après, ils arrêtent. Ou alors ils vont faire trois fois, puis après ils vont arrêter. Bon, lui, il est dans la durée. Lui, il est toujours, 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 toujours dans la même stratégie. Et c'est sûr qu'au final, ça fonctionne. Ça fonctionne, Bien sinon sûr. il ne le ferait pas. Et aujourd'hui, je pense que dans son secteur, il est devenu incontournable. Alors après, le Montréal, c'est grand. Donc je pense qu'effectivement, il doit travailler dans un secteur. Il doit être en ultra local. Pour nous, on a l'impression qu'il est partout. Mais en fait, je pense qu'il doit travailler en local. Mais clairement, je pense qu'effectivement, ça lui donne beaucoup, beaucoup de recommandations derrière, et Bien il doit sûr. produire, bien sûr. Parce, imagine, nous on le voit, alors sur sa zone, qu'est-ce que ça doit être? Oui, évidemment. Et bizarrement et inconsciemment, hein, les gens, quand ils vont penser à vendre la maison, ils vont se rappeler de Gabriel Laflamme. Donc ça aide, tu vois. Bien Donc, sûr. quoi qu'il arrive, toutes ces actions, mais surtout pareil, et c'est surtout ce qu'on a levé comme point, c'est qu'il ne faut pas avoir une attente en priorité, en particulier sur une prestation. C'est ça, Vous allez être c'est ça. forcément déçu. C'est comme si tu attends quelque chose en retour d'une personne. Tu seras forcément déçu. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, l'erreur que font souvent peut-être les conseillers justement qui offrent des prestations comme ça, c'est qu'ils sont peut-être en attente effectivement de la prestation. Alors C'est ça. que au final, c'est un ensemble de choses. Tu vois, j'avais interviewé une conseillère la dernière fois qui s'appelle Cinderella Ruan, et qui offre en fait des gazettes, une gazette de l'immobilier. Elle l'appelle plus comme ça, mais bon, c'est un peu le même genre. Donc elle se différencie par rapport à ça. Ça a été repris par différents conseillers d'ailleurs, et c'est génial. Mais c'est finalement un moyen supplémentaire. C'est monsieur le vendeur, vous avez vu, vous m'avez connu grâce à la gazette. Aujourd'hui, je vous offre ça, mais effectivement, ça fait partie en fait de mes différents moyens qui vont permettre aujourd'hui de vendre votre bien, parce que bien évidemment, votre bien sera aussi présent dans la gazette. Et tu vois, c'est
C'est un peu la perception, la déception que tu me parles au niveau de la prestation, des choses comme ça. C'est souvent parce qu'on le voit comme un coût et non pas comme un investissement. Je vois ça comme un coût de la prestation et ouais, je vais être forcément déçu. Non, non, moi je le vois comme un investissement. C'est différent. Parce que quoi qu'il arrive, et c'est dur à quantifier, ça c'est sûr et certain, parce que s'il faut cet investissement que tu vas faire, par exemple, on va parler de la publicité Facebook, tu vois. Peut-être que tu n'auras pas des acquéreurs, peut-être que ça ne sera pas qualitatif, peut-être que ça ne correspondra pas à la maison. Par contre, ça peut t'amener des contacts dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et ça, c'est difficilement quantifiable. C'est pour ça qu'il faut le voir comme un investissement et non pas un coût. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et tu as la publicité Facebook et Instagram. Alors, certes, c'est compliqué. Il faut se former. Bon, je pense que maintenant, il y a plusieurs formateurs qui sont relativement experts dans ce milieu. Donc, ça, c'est cool. Comparé à avant, où c'était plus compliqué quand même de se former sur tout ça. Mais ça passe par là quand même. Vous rendez compte, vous pouvez faire la publicité sur la zone de vente de la maison, quoi. Vous pouvez cibler de nouvelles personnes, de nouveaux contacts. Mais bien évidemment, tous ces contacts, ils ne seront pas acheteurs. C'est pas possible. Mais Non, par mais c'est contre, il les faut contacts mettre supplémentaires. exactement. Plus vous dominez votre secteur, c'est en générant des contacts. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En fait, tu vois, il faut plutôt voir ce plan d'action et après, ça fait un peu comme une arborescence et tu as plusieurs Ouais. filaments, un peu. C'est un peu ça. Hein. La Ouais, tout publicité Facebook, je te prends l'exemple de. Bon, désolé, mais de Justin parce que ça avait fait un à peu fait. Non, mais... polémique pendant un moment. Je sais que quand il était dans ses agences précédemment, Ouais. il arrivait à vendre juste avec de la publicité Facebook. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, j'avais entendu, il en avait parlé au Master Immo d'Olivier Guerre à un moment donné, justement, il avait fait un Ouais. truc là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, il est reparti sur Sologer. Alors, Qu'est-ce qui a fait Sologer. que justement la stratégie a évolué entre je travaille avec la pub Facebook et je travaille finalement sur Sologer, avec Sologer? Parce que, allez, là, enfin, comment dire? Avant, c'était son agence. Ouais. Donc, il pouvait un peu faire comme il voulait. Ouais. Et aujourd'hui, bon, bah, je pense qu'il y en a qui sont au courant, il est chez KW. KW, Ouais. c'est complètement différent. Parce que là, ils sont à la tête, donc avec Inja, d'un incubateur d'entrepreneurs en immobilier. Si les entrepreneurs en immobilier décident d'avoir ces outils, ils ont ces outils. Ça n'empêche pas qu'il ait toujours le même recul, et je peux te le garantir que son intérêt, c'est bien évidemment de pouvoir communiquer. Si lui le faisait et on lui repose la question, sans hésiter, il ferait ce qu'on est en train de dire. La pub Facebook. Ouais. Plus que de l'annonce Sologer. Oui. Et ça, c'est aussi un Après, moyen c'est un de se cumul, hein, démarquer. attention. C'est pas Ouais, bien sûr. prendre lui ou lui, mais c'est quelque chose qui est un peu sous-coté et sous-estimé. Et en plus, ceux qui le font, et t'as pu le voir, ceux qui le font, en fait, ils le font une fois, ils voient qu'il n'y a pas trop de retour et puis ils arrêtent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils voient ça comme un coût et pas un investissement. Ça, exactement, exactement. Enfin, l'idée, ça serait de se dire je veux remplacer toute la communication Sologer, Le Bon Coin, Logique Immo et compagnie par ma propre communication Facebook sur les réseaux sociaux qui me coûtera peut-être au final moins cher, même sûr, moins cher que ce genre de communication parce que ces sites-là coûtent très cher en termes de communication et de manière plus locale. Parce que finalement, lorsqu'on est sur Sologer, lorsqu'on met une annonce sur Sologer, ben c'est finalement tout le monde peut la voir. Alors que là, sur Facebook, on travaille vraiment le local. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est aussi un moyen de se démarquer en disant, ben écoutez, vous avez la possibilité effectivement de faire confiance à Pierre, Paul, Jacques de Immobilier, qui eux travaillent tous de la même manière, c'est-à-dire tous avec des sites comme Sologer et compagnie que vous connaissez bien. Ben moi, j'ai décidé de travailler, de mettre mon argent différemment sur des réseaux sociaux parce que c'est là où tous les gens sont aujourd'hui et c'est du local. Et ça Ou aussi, couplé. finalement, ça peut éventuellement, ou coupler, bien sûr, on peut le coupler aussi. Ça, Et c'est intéressant. tu, tu c'était un peu la discussion, je crois qu'on avait eu, mais c'était en off, que on en parle pas mal ici. Souvent, alors je sais pas, ça arrive
pas tout le temps, mais pratiquement quand même en majorité, les vendeurs ressemblent aux acquéreurs. Ouais, c'est vrai. Donc ça peut être, ouais, c'est ouf, hein, c'est vraiment ça. Et pour moi perso, c'est le même profil, donc deux fois. Donc bon. Ouais, non, mais c'est Et là, je me dis peut-être que, tu vois, ça serait peut-être un élément à tester. Là, c'est des hypothèses, tu vois, mais au ciblage. Ça pourrait être intéressant de tester, tu vois, à faire le même profil de type âge et tout, de trouver le même type de profil, tu on va faire un Tinder immobilier. Carrément. Tu sais, c'est en fait, tu choisis pas ta maison par le par le par la photo de la maison ou par l'intérieur, mais plus par finalement par les comment dire les comparaisons que tu pourrais avoir avec le propriétaire. Pourquoi pas, hein. Faut Pourquoi tester. pas? Mais Voilà. c'est vrai que ça, pas tout le temps, mais majorité quand même, je pense que ça se ressemble, quoi. Du coup, ouais, tu as la pub Facebook et il y a quelque chose aussi qui est dommage. Une landing page, une page de capture. C'est pas non plus à mettre de côté, tu vois. Une page de capture qui est dédiée en fait au bien. Là, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Et ça a plutôt l'air de bien marcher. Je ne sais pas si tu connais Ben Kinney aux États-Unis, Non, qui est un des plus gros agents. Comment? c'est un conseiller immobilier. Ouais, Ben Kinney, il s'appelle. Kinney. 2NEY. 2NEY. Ouais, bon, lui, il est chaud. Il s'est carrément développé son propre CRM, etc. Il tourne sévère. Et en fait, lui, il fait des pages dédiées par bien. Au lieu de, tu sais, de poster une annonce sur son site internet. Ou quand tu as ton propre site, tu n'auras pas énormément de trafic comme Logic Immo, se loger, etc. D'où l'intérêt de faire la publicité. Pourquoi pas rediriger sur la page de capture de ton bien et à ce moment-là donner une information contre une information. Tu vois? Donnez-moi vos informations. En contrepartie, je vous envoie vraiment l'annonce en elle-même avec le prix, etc. Pourquoi pas? C'est ce que OK. font beaucoup aux États-Unis. Et la page de capture est vraiment intéressante. Pareil, là, tu as des applications comme System.io qui est gratuit, qui est super pratique à utiliser. La page de capture, je ne sais pas si tu as déjà testé. Bon, après, il faut envoyer du trafic, bien évidemment. Ouais, Mais. si, j'ai déjà, moi je travaille avec System.io, notamment pour tout ce qui est formation, etc. Donc, oui, bien sûr, j'ai déjà testé. Après, j'ai jamais fait de page de capture pour l'annonce immobilière, mais couplé à une pub Facebook, ça peut être hyper intéressant, je pense. Parce que c'est pareil, la page de capture, à un moment donné, il faut pouvoir la transmettre. Donc, il faut la transmettre dans quelque chose, il faut que les gens puissent la toucher. Donc, pour pouvoir la toucher, ça sera uniquement de la pub, du sponsoring, une chose comme ça, de manière à effectivement, à un moment donné, dire bah, tu veux, tiens, j'ai un nouveau bien pour toi, clique là et tu as les infos directement. Tu vois, c'est comme je te disais au début, moi je le vois vraiment Ou comme du un SMS. produit. Ouais, c'est ça. Mais après, tu peux faire une séquence. Moi, je le vois vraiment comme un produit. Donc, quand tu vas sur une boutique en ligne, tu arrives sur le site, tu as plein de mandats, etc. Tu as plein d'annonces, tu as plein de produits. Mais après, tu as la fiche produit qui est dédiée à elle-même, où tu vends le produit. Puis, les pages de capture, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et du coup, les gens, ils te donnent leur mail, leur téléphone, leur nom, leur prénom. Comme ça, tu captures directement l'information C'est et ça. derrière, tu peux les relancer. C'est ça. Et après, tu peux automatiser tes séquences. Et après, on peut automatiser des séquences. Bah, Ouais. System.io, tu peux automatiser des mails, Bien sûr. etc. Donc, c'est Bien plutôt pas sûr. mal. Bien sûr. Mais tu vois, tu as la landing. Olivier Amou, il faut posséder ces outils CRM. Je vais pas dire le contraire. Après, c'est en fonction de tes besoins. Toujours pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est en fonction de tes besoins et puis aussi de l'argent que tu peux avoir. C'est toujours pareil, ça coûte tout ça. Si c'est pour posséder ces outils CRM, bien évidemment, c'est le must, mais bon, après, il faut pouvoir le développer. Il faut avoir l'appétence aussi pour. Donc, Exactement, il faut avoir l'appétence pour le temps, l'appétence, l'argent. Si jamais tu n'as pas l'appétence, bah, il faut aussi avoir l'argent parce qu'il faut le faire. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement. Mais oui, pourquoi Mais pas? Après, tu ces vois, outils. Oui, dis-moi.
Je répète un peu, tu vois, on a parlé des textos, des MMS, les freelance pour faire des vidéos, du contenu vidéo de la maison, la pub, la page de capture. Mais tout ça, en fait, c'est ce qui est intéressant et c'est là où tu as vraiment un plus comparé aux concurrents ou comme aux confrères. Ça dépend comment on peut le voir. Mais tout ça est quantifiable. Ça veut dire que tu peux avoir des stats précises. Et un vendeur, si tu lui rapportes des stats, ça sera la première fois de sa life. Outre, tu sais, bon, j'espère que tout le monde le fait, mais ça, c'est faire une visite, faire un rapport détaillé au vendeur, etc. après la visite. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, toujours pareil. Mais outre ça, tu vois, tu ramènes des vrais chiffres qui sont vérifiables. Et de toute façon, les chiffres ne mentent pas. Hein. Ça, on l'entend souvent, mais ça, c'est vrai. Donc, ça, moi, je suis très attaché aux chiffres. Hein. Les chiffres ne mentent pas. Ouais, c'est vrai que tu as raison. On a très peu de stats aujourd'hui. Alors, on les a. Hein. Tu as dans Solo Pro, tu vas avoir quelques stats. Mais après, tu n'as pas forcément. Alors, si tu sais le nombre d'envois de mails que tu as fait, le nombre de prospects que tu as dans ta base, le nombre de réponses par rapport à l'envoi mail, le nombre de téléphones, le nombre de noms, le nombre de oui, le nombre de visites, etc. Tout ça, tu les as. Donc, ça, c'est déjà des stats qui sont intéressantes et qu'on ne transmet pas forcément de façon toujours simplement aux clients, aux vendeurs. Mais c'est vrai que c'est la base. À partir du moment où tu commences à les transmettre comme ça en disant, mais écoutez, voilà, j'ai appelé 8 clients sur votre bien. Il y en a 6 qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas visiter parce qu'il était trop cher. Ben, forcément, c'est Et puis quelque chose surtout, ça te donne des arguments pour venir faire un avenant. Mais pour si tu n'as pas ces stats, pouvoir baisser le prix derrière, bien sûr. mais si tu n'as pas ces stats, comment tu veux justifier tout ça? C'est pas possible. Et c'est là où vraiment tu vas marquer, et c'est ce que je tiens à dire, c'est prise de mandat, ok, vous avez sa confiance, mais là où il faut vraiment approfondir et vraiment prouver sa prise de conscience et le gain de confiance de la personne, c'est là, c'est à ce moment-là, en montrant des stats. Ouais. Tu vois, j'ai Brigitte Lacaille de Expertimo qui dit c'est ça, c'est cher. J'ai personnellement pris conscience de cette nouvelle façon de procéder. Beaucoup de compétences que si on n'a pas, on doit confier. Très cher ou très chronophage au choix. Ma formation m'a orienté vers, je pense, système IO comme CRM. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. SEO. Je pense que ça doit être système.io. Ouais. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est qu'effectivement, tout ça, ça a un coût, mais il faut le voir non pas comme un coût, mais comme un investissement pour pouvoir justement travailler. Et souvent, en fait, le souci qu'on peut avoir en tant que mandataire immobilier, c'est qu'en fait, finalement, en tant que mandataire, il n'y a pas de, on n'a pas de distinction entre ce qui nous appartient et puis ce qu'on dépense. Ce n'est pas comme une société où, en fait, ben, la société, tu sais que tu as la société et tu as toi ce qui te revient. Et donc, du coup, ben, tu sais que quand tu investis quelque chose, c'est un investissement. En tant que mandataire, ce qui est difficile, c'est que ben, tout est englobé, en fait. Il n'y a pas de comptabilité à proprement parler. Et donc, du coup, c'est là où les conseillers immobiliers, souvent qui sont mandataires aujourd'hui, ben, ne font pas cette distinction-là. Et donc, pour eux, ça reste un coût parce que c'est quelque chose qui est dépensé de leur compte. Mais clairement, ça reste de l'investissement. Et lorsque on se dit, est-ce qu'on peut développer quelque chose pendant une semaine sur un mois à travailler, à essayer, machin, de le faire tout seul, ou est-ce qu'on va confier finalement ce travail à une personne extérieure qui, elle, c'est son job et qui va peut-être passer moins de temps, mais au final nous faire gagner beaucoup de temps derrière, Ouais, mais et c'est ben, c'est là où effectivement ça devient intéressant parce que pendant ce temps-là, nous, on peut continuer à travailler, on peut continuer à investir du temps et du travail pour faire ce qu'un conseiller immobilier doit faire, c'est contacter les gens, c'est parler avec des gens. Mais en fait, le gros souci qu'il y a aujourd'hui, il est là, c'est qu'en fait, au départ, ben, on faisait uniquement ce travail-là. Moi, quand j'ai démarré mon métier d'immobilier, eh ben, c'était ça, en fait. C'était juste appeler des clients, faire de la prospection, contacter des gens toute la journée, parler avec des gens, etc. Et puis, plus ça a été, plus le digital a pris de l'ampleur, et plus on s'est transformé en expert digital alors qu'on n'y était pas, et on a perdu du temps. Et donc, du coup, du chiffre d'affaires. Tu sais, le truc qu'il y a et le principal défaut du digital, bon déjà, si vous n'avez pas envie de le faire, enfin, c'est intéressant de le faire,
Mais si vous n'avez pas d'attrait, faites juste le strict minimum. N'allez pas passer énormément de temps. Je vois beaucoup qui procrastinent derrière. Et en plus, ils se donnent le prétexte que grâce au digital et en plus, ils procrastinent. Donc, aujourd'hui, en fait, on a tellement de choses, on voit tellement de choses passer sur le digital, etc., que les conseillers sont noyés. Mais en fait, ils oublient une chose. C'est pas de s'amuser à trouver la dernière trouvaille, le dernier outil. Non, l'objectif, c'est de générer des contacts. Donc, gardez ça en tête. C'est Donc, allez ça. vers des outils où il y a un objectif précis. Et là, ce que on vous dit, voilà, c'est vraiment, il faut avoir un plan d'action. Vous avez écouté ce direct, marquez les choses qui vous intéressent, qui vous parlent, et listez-le, et faites des actions, comme une checklist. Tac, 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 C'est tac, ça. et vous cochez. C'est ça qu'il faut faire. Les gens, ils se perdent en fait à surconsommer du contenu, mais au final, ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas juste un plan d'action. Il y a juste ça, un petit plan d'action. Et C'est comme partager si tu votre allais correction, cours. ça peut être sympa. C'est comme si tu reprenais le sport. Tu vas pas t'amuser à tant qu'il y a 21 km quand même. Tu vas sortir, tu vas courir 1 km, demain tu vas en courir deux. Si tu y arrives ou si tu te sens pas, bah, etc. Faut s'écouter aussi. C'est clair, je C'est suis la d'accord même avec toi. chose. Super, Et mais tu sais merci quoi, beaucoup, Louis. il y a Ouais, même un dis-moi. truc, bon, on n'a pas parlé, tu vois, mais il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la visite libre. C'est un peu sous-côté. Alors, je sais que c'est au vu du contexte, c'était un peu compliqué, mais la visite libre aussi, c'est pas à mettre de côté. Ça y est, c'est revenu là. Maintenant, on peut faire des visites. Enfin, le Covid, en attendant, pour le moment, il est un petit peu parti. On l'a un petit peu oublié, même s'il est encore là. On l'a quand même un petit peu oublié. Mais oui, effectivement, la visite libre, ça peut être intéressant à mettre en place pour justement pour avoir du contact acheteur pour un bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que tout ça, en fait, fait partie des plans d'action, comme tu l'as dit, et permet en fait de se démarquer par rapport à n'importe qui, par rapport au premier venu qui va dire, ben moi, en fait, aujourd'hui, je vais vous vendre votre maison. Et comment vous allez la vendre? Ben moi, je vais la vendre parce que j'ai un fichier, point barre. Et là, effectivement, quand vous commencez à énumérer les choses que vous allez pouvoir faire pour votre client, ben là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Moi, la petite astuce que je peux donner aussi, c'est quand je prends un mandat, tout de suite, je note en fait dans mon agenda 5 rendez-vous. C'est-à-dire que je prends 5 rendez-vous téléphoniques. C'est-à-dire que je prends rendez-vous avec le client en lui disant, bah, écoutez, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine à telle heure. Vous êtes OK pour pouvoir faire le suivi. Parce que souvent, on dit, on va suivre le client, mais en fait, on oublie. À un moment donné, on a tous nos plannings, nos trucs, et ce qui n'est pas inscrit dans l'agenda, ben, n'existe pas. Et donc, à partir du moment où effectivement, on va commencer à prendre rendez-vous, et la personne en général dit, ah ouais, quand même. C'est-à-dire que là, vous, tout de suite, on prend 5 rendez-vous téléphoniques ensemble. Ouais, exactement, on va les prendre. Et ça marque aussi. Ça marque parce Plan que, d'action. exactement, c'est un plan d'action et personne ne le fait. Vraiment, personne ne le fait. Et c'est comme ça où tu gagnes la confiance de C'est la ça, personne. exactement. Et c'est comme ça que tu seras recommandé. Et je suis d'accord avec toi. Louis, pour finir, je voudrais qu'on parle un petit peu de Finder, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Je sais que tu n'es pas forcément là, tu n'es pas venu pour en parler ou pour vendre ton nouveau petit jeu, ton nouveau bébé, mais c'est vrai que bah, tu m'en as parlé, c'est vrai que tu ouvres ta chaîne YouTube. Là, bah, je crois que tu l'as ouvert cette semaine. Ouais, c'est à 18h. À 18h aujourd'hui. Il y a un Ah, premier c'est épisode. aujourd'hui à 10. Ben, Aujourd'hui à 18h. pour répondre à Brigitte, en fait, le but, c'est d'amener du contenu, par exemple, sur comment créer une page de capture sur système.io, etc. Vraiment vous donner de tous les outils pour accélérer votre croissance en immobilier, quoi. Donc ça, c'est ce que tu as proposé sur ta chaîne YouTube? Ouais, du coup, il y aura plein de. Ça s'appelle La Pépite, le format. Et du coup, on va faire plein de séries de vidéos à répondre à des questions, à vous apporter des outils. Des outils, ça peut aller de, je sais pas moi, envoyer des fichiers par mail, mais ça marche pas. Donc, quel est l'outil qu'on peut utiliser? Comment créer une page de capture? Comment créer un e-book? Plein de choses. Génial, génial. Ok, donc ça ouvre ce soir à 18h. Ouais, c'est ça. Très bien. Et du coup, Finder, tu peux en parler un petit peu? Ouais, carrément, bah avec plaisir. Alors, Finder, comment l'expliquer? À la base, en fait, c'est que
Faut pas le dire, Olivier. Je viens de voir un commentaire parfait. Ça m'a fait rire. En fait, Finder, c'est né un peu d'une frustration, mais vue par un particulier. C'est que quand on est vendeur, on se dirige souvent vers les estimateurs en ligne. Et la chose étant, c'est que je me suis rendu compte que tu mets 10 minutes à répondre à un formulaire. Et c'est long en 10 minutes. Surtout quand tu es vendeur, moi je suis parti du principe 4 pièces. Est-ce qu'il y a les chambres? Est-ce qu'il n'y a pas les chambres? Tu vois, tu sais pas trop. Est-ce qu'il y a la salle de bain dedans ou pas? Tu vois, tu réponds à plein de questions, tu sais pas trop. Donc déjà, tu sais très bien que ça sera faussé. Donc certes, répondre à plein de questions, mais ça sera faussé. La qualité de la toiture, enfin bon, il y a des trucs DPE. Tu as beaucoup de vendeurs qui savent pas ce que c'est, hein, DPE. Donc tu te dis, mais punaise, tu as l'impression qu'on te demande même la couleur de ta culotte, quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Et puis en plus, périple passé, parcours du combattant passé, on te demande ton numéro de téléphone à la fin. Alors, tu sais, on te dit, ça y est, lance l'estimation. Et là, on te dit, d'abord, tu me donnes ton numéro de téléphone, tu me donnes ton adresse mail. Donc, en plus, tu es sous contrainte pour donner tes informations. Et du coup, je suis parti de ce principe-là et de ce raisonnement. Et Florent et Damien, qui sont les développeurs et les techs de Life, m'ont dit, ben voilà, je leur ai dit, est-ce que ça serait possible d'avoir une fourchette de prix, parce que du coup tu peux pas donner un prix réel, une fourchette de prix d'un bien en seulement quelques questions, du style adresse postale, type de bien, mètre carré. Est-ce que ça on est capable de donner au moins une fourchette de prix? Et après, d'éduquer le prospect, parce que tu vois, le vendeur là, il a enfin son estimation en ligne. Donc gros parcours du combattant, t'as donné la couleur de ta culotte, maintenant je me dirige vers qui? Et ça, c'est souvent faussé, parce que j'appelle l'entourage. Souvent, on a toujours un copain qui travaille dans l'immobilier, mais ça ne veut pas dire qu'il est expert sur ton secteur. Bien sûr. Et en plus de ça, tu te dis, alors tu réfléchis comme ça, tu te dis, j'avais vu une agence sur le bord dans cette avenue, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle est experte sur le secteur. Et pareil, dans toutes les marques, tu as des bons et des mauvais. Dans toutes les marques, c'est comme ça. Et Bien du coup, sûr. ce qu'on s'est dit, c'est OK, maintenant qu'on a donné une fourchette de prix, on va éduquer les vendeurs à se rapprocher d'un professionnel de l'immobilier qui sera lui à même d'amener un prix en fonction du marché. Et c'est comme ça qu'est né Finder. Et du coup, on propose des experts à la suite de la fourchette de prix, on propose des experts sur le secteur. Et cerise sur le gâteau, c'est pour ça que nous, c'est intéressant. Pour se différencier tout ça, on amène un peu des. On ne peut pas garantir des projets de vente. Tant de projets de vente. Je te dis pas, Alex, sur ta zone, moi je vais te garantir 10 projets de vente. Ça marche pas comme ça. C'est pas un réservoir sans fin, l'immobilier. Donc il y a le marché, il y a l'offre et la demande, c'est pas sans fin. Tu peux pas quantifier. On peut pas anticiper le nombre. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on va limiter les professionnels sur la zone. Donc bon, après, ça a été calculé de manière très logique, hein. Je te prends l'exemple. Je suis professionnel sur le 66 000, donc à Perpignan. Je sais que sur le 66 000, il y a à peu près tant de logements, tant de propriétaires. C'est en fait, on a calculé toute l'INSEE. Donc, on s'est Sur amusé, on l'INSEE. a mis la. Ouais, c'est ça. Et on a calculé le volume de propriétaires. On s'est dit, bah ok, une personne correspond à tant de boîtes aux lettres. Donc, du coup, il y aura tant de professionnels sur cette zone. Pour te répondre, 66 000, il n'y a que 7 professionnels sur la zone. Ça veut dire que 7 professionnels auront accès à Finder, donc au projet de vente généré sur les zones, sur le secteur. Et seront recommandés auprès des vendeurs. Donc, après la fameuse fourchette de prix, être recommandé auprès des vendeurs. Et du coup, pour répondre à tout ça veut dire que Finder, en fait, c'est un accès limité et il n'y a que 20 250 accès sur Finder. Donc, il y aura Okay. 20 250 parcelles professionnelles sur Finder qui auront accès à la En technologie France. en France. D'accord. C'est ça. Et c'est axé sur la blockchain? Ouais, c'est ce qu'on est en train d'y travailler dessus. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est là où c'est intéressant pour les professionnels qui veulent avoir accès. Bon, déjà, tu as beaucoup de projets de vente. Donc, si je te prends l'exemple du 66 000, il y avait 80 projets de vente à l'espace de 3 semaines. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Pour 7 professionnels, sur le mois, ça fait pas mal de projets de vente à aller chercher quand même. C'est pas mal. Donc toujours pareil, tu sais le projet de vente s'il est dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an ou plus. Et tout ça pour arriver au projet de vente, c'est la blockchain en fait. Aujourd'hui, alors peut-être que ça va faire peur un peu aux gens. Je sais que toi tu suis, donc pour l'instant c'est quelque chose qui arrivera. On peut pas le cacher. Internet, ça va évoluer.
c'est la suite logique en fait d'Internet. Hein. C'est juste que pour résumer un peu la blockchain, ça va amener de la sécurité. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura la traçabilité de tout. Et en fait, nous, vu qu'on veut réduire ces parcelles, bah, du coup, à terme, vous serez carrément détenteur d'une parcelle. Donc, ça veut dire que demain, j'ai mon accès sur le 66 000. Je l'aurai à vie. Ça veut dire que je l'aurai payé D'accord. qu'une fois et je l'aurai à Ok. vie. Ça veut dire que demain, je pars à la retraite, je peux le vendre ou je peux même le louer à un professionnel de l'immobilier. Ok, d'accord. Ouais. Ça sera comme un Donc, peu un fonds de c'est commerce. un paiement une fois, et ensuite, derrière, après, tu peux accéder à n'importe. Enfin, s'il y a 200 projets de vente dans l'année, tu as les 200 projets de vente. C'est ça. Et Ouais, pour c'est te pas comme dire, tu vois, certains là. sites où ils te vendent l'estimation, en fait, en gros. Non, 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 du tout. Là, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme une licence annuelle. Le temps, en fait, d'attribuer des valeurs. Parce que des valorisations, en fait, de terrain. Donc, en fait, ton accès prendra de la valeur à long terme. Aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est ne... on ne pouvait pas prédire le nombre de projets de vente et savoir, en fait, l'attractivité de certaines zones. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est une licence annuelle. Ce qui est D'accord. relativement très très bas comparé au potentiel qu'il y a. Ah, Si donc je te tu payes donne tous les ans. pour l'instant, mais c'est la première année. Donc Ok. d'ici 2 ans, il y aura la transition et du coup, vous serez carrément détenteur et propriétaire de votre propre Ok. parcelle. D'accord, ok. Ok. Très chouette. Voilà, je sais pas, c'est un peu complexe. Finder, Quoi qu'il tu arrive. l'as écrit sur ton t-shirt, ça s'écrit FYDER. Ouais, FYNDER. FYNDER. Et du coup, c'est point com, point... Attends, je l'ai Point là. IMO. Point IMO. Point IMO. Finder.imo. Voilà. Ok, si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu ce que fait Louis, co-créateur de Finder, ou créateur de... Je ne sais pas si tu es seul ou à plusieurs. Dans tous les cas, ça peut être hyper intéressant pour vous de regarder parce que c'est très innovant, c'est axé donc, sur la blockchain dans le futur. Ça va être axé sur la blockchain et ça permettra justement de vous créer en fait de l'estimation et du business en plus. C'est ça. En résumé, en fait, vous allez devenir l'acteur principal de votre secteur et vous allez avoir une prospection ciblée. Donc, vous allez trop commander aux vendeurs en automatique, vous n'aurez rien à faire et vous allez sûrement recevoir des appels. C'est ce qui se passe actuellement. Et en plus de ça, vous allez avoir une vue satellite avec tous les projets de vente sur votre secteur. Vous avez juste à taper aux portes et trouver un peu la carte au trésor. La carte au trésor. Oui, parce qu'en fait, ça va être, tu donnes pas l'adresse exacte, mais tu donnes en fait un secteur délimité sur peut-être je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine de maisons. Et ensuite, Ouais. bah, il faut aller chercher soi-même son contact. Alors l'adresse, c'est protection des données personnelles, RGPD. Donc normalement, sur le papier, on n'a pas le droit de donner l'adresse. Donc nous, D'accord. on est full compliant sur ça. Et je t'en ai un point d'attache dessus. Et c'est surtout, c'est là où l'avantage, nous, c'est vraiment, et on le voit, c'est de donner le réflexe aux vendeurs. Donc du coup, il y a de plus en plus de personnes en fait qui utilisent de manière inconsciente, ils se rendent directement sur Finder pour faire des estimations Ok, et super. voir les professionnels sur le secteur. Ouais. Patricia qui nous demande si ça fonctionne en Belgique. Alors pour l'instant, c'est sur la France, mais rapidement, on va vouloir se développer sur d'autres pays. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Ben, Merci pour merci beaucoup, Alex, pour ton cette temps. pige de folie. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Et c'est très très chouette. Tu es un mec, je l'avais dit aussi à ton frère, vous êtes vraiment une super équipe et des gens qui voilà qui aimaient vraiment ce que vous faites et ça se voit et vous faites tout pour justement pour que le métier d'immobilier soit différent, en tout cas cette image qu'on peut avoir du métier devienne finalement un petit peu, on va dire, redorer en fait l'image du métier qu'on peut avoir aujourd'hui de conseiller immobilier. Donc c'est très chouette. Et tu as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'astuces, beaucoup de tips que les gens vont suivre. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Je sais que ton temps est pris, donc je vais pas te garder plus longtemps. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir te recevoir dans Secret Pitch. À bientôt, Bah, Louis. merci, c'était vraiment cool. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye.
don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm running. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you